Merci, Monsieur le Président, les honorables assesseurs, merci, Monsieur le Procureur et les deux substituts. Merci également les avocats de la partie civile. Merci enfin les avocats de la défense, nos vaillants avocats qui ont fait presque un an, 10 mois, ils sont derrière nous, ils sont en train de nous défendre. Femmes et maris, aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce procès, mais il est à dire ici que nos avocats de la défense, notamment M. Maître Béa, Maître Lancé, Maître Lancé Kaba, qui se sont remarqués dans cette dans ce procès. Je vais continuer, Monsieur le Président, à remercier Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour avoir organisé, donné les moyens pour la réussite de ce procès. Je veux aussi également remercier mon épouse ici, qui a toujours, depuis le début de ce procès, et derrière moi, tous les jours de repos que nous avons connus ici, cette femme est derrière moi. Des fois, quand je lui dis, restez à la maison, ne pas venir, elle se fâche. Je la remercie pour ça. Je vais m'adresser humblement à Monsieur le Président et à ses deux assesseurs pour leur dire que nous sommes à la fin de ce procès. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai comparu ici, je vous ai dit que je ne connais rien, ni d'Ève, ni d'Adam, de cette affaire de 28 septembre. Je ne connais absolument rien, je n'ai posé aucun acte, Monsieur le Président. J'ai dit que j'étais en prison. Je suis resté en prison jusqu'au 6 novembre. J'ai dit ça une fois, le jour de ma comparution ici, le premier jour, deux fois, le jour, comment on appelle, que j'ai comparu pour la confrontation, je crois que ça va être la troisième fois et la dernière fois de vous le dire. Ce problème-là m'a trouvé. J'étais au bureau, au haut commandement de la gendarmerie là-bas. Au commandement de la gendarmerie. Notre service courrier a apporté, n'est-ce pas, ce papier en me disant que je suis convoqué ici au tribunal par le juge d'instruction. J'ai dit, ah, mais pourquoi
On me convoque, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils disent, ah, moi je ne connais pas, mais il faut lire la correspondance. J'ai vu toute une panoplie d'infractions alliées dans cette correspondance. J'ai pris ma tête, je ne sais pas où partir. Le jour J, je suis venu ici. Pourquoi vous me convoquez? Ils disent que ah, vous êtes reproché des différentes infractions. N'est-ce pas établi dans ce rapport, dans cette correspondance? Ils font la narration et ils me disent que c'est Souri Kondé qui dit que j'étais son chef au terrain. Bon, vous nous aviez dit tout ça. Oui. Donc, pour vous le dire, Monsieur le Président, je vous prie humblement de me relâcher dans cette affaire. Libérez-moi parce que je ne connais absolument rien là-dedans. Je ne suis pas parti au terrain, j'étais au PM3. Pour cela, je sais que vous êtes des juges. Vous pouvez dire le droit. Pour cela, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là pour ne pas faire autre chose, mais je vous prie pour l'amour de Dieu une deuxième fois. Si vous ne trouvez rien derrière moi dans cette affaire, libérez-moi, je vous en prie. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Monsieur le Président.